Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire une chose qui est vraiment très belle. C'est dans Romains chapitre 7, verset numéro 8. Il est écrit alors « Alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi, par le commandement, toutes sortes de désirs. En effet, en dehors de la loi, le péché est mort. » Donc voyez, c'est un sujet très sérieux. Parfois, nous arrivons près de Dieu et quelque chose vraiment d'horrible, de mauvais nous arrive alors. Et nous nous ouvrons comme ça au péché, vous voyez. Donc, voyez ce que Paul a dit. « Alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi le commandement toutes sortes de désirs. C'est un désir effréné. Ce qui est une anormalité, vous le réprimandez. Mes missionnaires, j'étais dans une consécration bonne envers Dieu. Mais le péché, voyez, il est entré. Réprimandez alors ce mal, vous avez une faiblesse, ne l'acceptez jamais. Consacrez-vous. » Parce que vous devez vivre alors pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse énormément aujourd'hui alors. Regardons cette personne qui a été bénie et je vais revenir ensuite pour prier avec vous. J'ai de l'arthrose à la hanche et c'est douloureux. J'avais. À présent, j'étais dans la prière et mes jambes ont commencé à faire très mal. J'en suis venue à pleurer. Puis j'ai pris courage, je suis allée marcher, j'ai réussi. Sans elle, alors vous ne marchiez pas? Non. Depuis combien de temps? À la maison, j'utilise deux béquilles. Deux, hein? Deux. Depuis combien de temps? Un an et demi déjà. Un an et demi. Eh bien, mettez-la maintenant sur l'épaule à présent. Rentrez à la maison, allez, fille de Dieu, car Jésus vous a béni. Allez-y, parce que d'ici peu va partir aussi ce mal au pied, au nom de Jésus. À présent, je reviens. Nous allons parler avec Dieu. Père, quelques mots suffisent. Mais je veux que le Seigneur fasse une œuvre chez mes amis ici. Une œuvre, une grande œuvre, Père. Père, ne laisse jamais le péché saisir l'occasion du commandement ou d'une quelconque contrariété. Père, le péché est un genre de mort. Et je bénis ces personnes avec la vie. Et réprimandez alors tout le mal dans toutes ces vies, au nom de Jésus. Amen.